va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Christine Bravo, Gaspard Proust, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Pourquoi vous vous marrez déjà tout seul? J'ai vu que tu m'avais gardé pour la fin pour annoncer quelque chose, mais alors, je me suis trompé. Et il n'en peut plus depuis que, évidemment, il y a ce sondage têtu, Pierre, mais il ne pense qu'à ça. Non, quoi, il a vraiment été élu? Ben, je crois qu'on ça y est, c'est fait. Pas pour Ladies and gentlemen, the winner is Jérémy Michalak. Ah, mais c'est la consécration, là. Mister Gay 2011. Non, pas Mister Gay. Élu par les gays, mais pas Mister Gay. Pourquoi élu par les gays, alors? Bah quoi, alors, c'est pas pareil. Si on dit Marine Le Pen, elle est Mister Extrême, Miss Extrême Droite, tu dis pas non, élu par l'extrême droite, mais elle ne l'est pas. Oui, c'est pas exactement la même chose. Non, on n'a pas le droit de dire pauvre tante. Parce que après tu te démerdes. Regarde, Tata Christine qui fait semblant de pas rire là. Tout ça. C'est vrai, qu'est-ce qui vous arrive, Christine Bravo? Ouais. Je mets des huiles essentielles sur un petit. Oui, vous savez qu'on fait de la radio au cas où. Oh là 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 là. Non mais franchement, je vais devoir sévir dans cette équipe. Oh arrête, t'es en train d'exciter Jérémy. je crois que je suis à deux doigts de me prendre une fessée. Oh. Non mais enfin, Christine, si vous pouviez être avec nous, il a raison, Pierre Bénichou. C'est pas bien non plus de cafeter sur votre copine Christine. Oui, mais quand même, les huiles essentielles, je trouve que c'est un peu gros quand même quand il y a des gens qui meurent de faim, qu'on se met les huiles essentielles à 3000 euros sur la figure, ah ben ça fait, y a les pauvres qui sont pas contents. Fabrice Eboué, vous êtes content de retrouver Gaspard Proust, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette transition? Faut dire que Gaspard est en tournée à travers la France. Tu viens d'où là? Apparemment, j'ai loupé un truc, donc Michalak est vraiment élu. Non, mais tu viens d'où? T'étais où en tournée l'année, tout ça, c'est vrai. On peut pas passer comme ça. C'était quoi ta dernière date? Ça, c'est dingue. Ils sont vraiment plus doués pour la déco que pour. C'est pas beau. Bouvenet qui est content de voir Gaspard, c'est Christine. Pourquoi Bouvenet n'est pas content de voir Gaspard? Non, il est sûrement content, mais c'est celle qui est vraiment contente, c'est Christine. Ah oui, moi je suis m'en fous de tout ça. Gaspard. Moi, est-ce que Jérémy a vraiment gagné cette histoire ou pas? Mais c'est vrai qu'entre Christine et Gaspard, il se passe quelque chose. Ouais, hein. Surtout entre Christine et Christine. Quoi. Mais t'as gagné, Michalak, ou pas? Je ne sais pas. Mais t'étais où, Gaspard, ces derniers temps? Ta dernière date, c'était quoi? Bah, en fait, j'étais dans les votations dans Têtu et j'en regardais qui allait passer. Quoi. Gaspard Proust. Vous étiez où samedi en spectacle? Samedi, c'était, bah, vous savez, une fois qu'on sort de Paris, tout se ressemble très vite. Alors je ne saurais vous dire, mais il y avait une salle avec des gens. Et c'était dedans. Bien, c'était sympa. Alors, le public de province est chaleureux, gentil, naturellement bon, d'une aptitude intellectuelle tellement supérieure à ce qu'on peut trouver à Paris. C'était un vrai bonheur et j'ai envie de dire que du bonheur. Voilà. Sinon, c'était. Mais c'était la banlieue, c'était pas la province. Mais comment vous savez, vous suivez en tournée, vous en plus? Oh, la groupie. Bah oui, elle amène les huiles essentielles et moi la poêle pour les faire frire.